Venez vous-même, venez. Venez. Venez pour la profession. Come. Come. Vous êtes marié? Je vis avec le père de ma fille. Ok. Je vous ai vu avec un homme, mais ça ne va pas. Hein? Oui, papa. Je vous ai vu avec un homme, mais ça ne va pas. Vous, je vais revenir sur vous. Papa. Vous voyez, pourquoi je vous ai appelé? Parce que votre vie, alors je parle, je vais faire un peu le commerce, oui. Mais ça ne va pas. Oui, papa. Vous avez des problèmes hein, oui. dans votre commerce. Vérité. Alors je suis en train de parler. Vérité, vendez des petites marchandises, tout ce que vous pouvez avoir. Vous essayez de vendre tout ce que vous pouvez, tout ce qui vous tombe à la main. Faisiez des petits kiosques avec des bonbons, des biscuits, des choses comme ça. Vous essayez de vous en sortir. Oui, papa. Mais ça ne va pas. Regardez. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté dans votre vie est déraciné sur son nom souverain de Jésus. J'ai dit que vous n'êtes pas heureuse dans votre foyer. Vous n'êtes pas heureuse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'êtes pas heureuse. Vous n'êtes pas heureuse. Il y a quelque chose qui vous appartient. Quand vous étiez une jeune fille, vous avez une camarade qu'on appelait Ada. Hein? Ada. Ada. Elle est où maintenant? Elle est décédée. Hein? Elle est décédée. On l'appelait comment? Ada. On l'appelait comment? Ada. Hein? Ada. Ada. Quelque chose s'est passé à l'époque d'Ada. Vous étiez avec un monsieur qu'on appelait Julien. Hein? Il y a un monsieur qui vous aimait à cette époque, qu'on appelait Julien. Et Julien, c'est un homme que vous aimiez aussi, beaucoup. Et vous aviez de grands projets avec ce Julien. Ou je veux dire, il avait de grands projets pour vous. Alors je parle, Julien est aussi mort. À cette époque, Ada, que vous preniez comme une amie à vous. Vous vous appeliez cousine, 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 cousine. Vous aviez un foulard, comme ça. Un foulard de couleur blanche qui avait disparu à l'époque d'Ada. Et vous lui avez demandé, tu n'as pas vu mon foulard blanc? Elle vous a dit non, qu'elle n'a pas vu ça. Vérité, papa. Hein? Vérité, papa. C'est elle. C'est elle qui avait retiré votre foulard à cause de l'affaire de Julien. À cause de ce que Julien vous aimait. Et qu'elle aimait aussi ce jeune homme. Et elle a pris ça, elle est partie. Vous voyez, la femme-ci, elle devait être mariée depuis. Madame, répondez-moi. Hein, répondez-moi. Regardez, votre vie, hein, je vous ai vu avec une amie qu'on appelait Jackie. Hein? Oui, Jacqueline, oui, papa. Jacqueline, vous êtes séparés. Ça fait des années aujourd'hui. Au moins 16 ans. Oui. Jacqueline faisait dans la coiffure. Elle faisait dans l'institut de beauté. Dans la beauté. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Vous êtes séparés avec Jacqueline. Oui. Et à l'époque de Jackie, il y a des choses qui se sont passées dans votre vie que vous ne connaissez pas. Oui. Vous avez rencontré beaucoup de mauvaises personnes. Vous partiez vous coiffer chez Jacqueline. Chez Jackie. Avec une amie à vous qu'on appelait Mama. Hein? Vous avez une amie qu'on appelait Mama. Papa. Mama, c'était une amie que vous preniez aussi comme une soeur. Papa. Hein? Oui, papa. Vous êtes parti avec elle, vous coiffer chez Jackie. Un jour. Et quand vous êtes arrivé chez Jackie, il y a une fille qui travaillait dans le salon de coiffure de Jackie. Qu'on appelait Adeline. Et c'est cette Adeline, c'était une grande fille. Bien potelée. Costaud. Hein? Costaud. Elle était costaude. Oui, très influente. Oui. Vous êtes arrivé et Adeline s'est mise à vous coiffer. Et ce jour, vous aviez une montre de couleur orange, plastique. Une montre plastique de couleur orange. Vous étiez en train de vous coiffer et maman vous avait accompagné. Et pendant que vous vous coiffiez, il y a un monsieur qui est entré dans le salon de coiffure, qu'on appelait Martin. Et il s'est assis. Pendant qu'on vous coiffait, il s'est mis à vous draguer. Vérité, papa.
il s'est mis à vous draguer. Et quand il vous a dragué, c'est un homme qui vous a aussi plu. Et puis, vous avez fini de vous coiffer, il a attendu. Vous avez fini, quand vous êtes descendu, maman était derrière, vous avanciez avec Martin et vous a fait la cour. Cet homme qui vous a aimé de tout son cœur, le diable l'a éloigné de vous à cause de vos amis. Maman, votre soeur et amie, vous a chargé chez Martin et il a disparu. Elle lui a dit que vous n'êtes pas sérieuse, que vous êtes une sorcière. Est-ce que vous comprenez? Martin, c'est quelqu'un que vous aviez beaucoup aimé. À l'heure où je vous parle, qu'est-ce que je veux dire à cette femme? Elle a une grâce sur elle. Regardez cette femme. Elle a la grâce du mariage. Mais cette grâce lui a été volée. L'homme avec qui vous êtes, à l'heure où je parle, a un ami qu'on appelle Rostam. Hein? Il a son ami qu'on appelle Rostam. Son ami Rostam vient souvent à la maison chez vous. Ça fait quelque temps qu'il n'est pas venu. Mais il a déjà amené à la maison chez vous. Et Rostam vous aime. Ah ah. Attendez. Wait. Votre mari voit la télé? Non. Il ne voit pas la télé? Non. Vous êtes sûr? Il n'est même pas là. Il est où? Il est parti à Doha. La télé, si elle regarde, vous ne pouvez pas imaginer. Il ne voit pas la télé. Rostam vous aime. Et les intentions de Rostam pour vous sont dangereuses. Il va vous sortir de votre foyer. Il a juré. Ils sont pleins, papa. Uh-huh. Ils sont pleins. D'accord. L'homme avec qui vous êtes a un problème. Vous comprenez? Il y a un problème. C'est pour ça que votre foyer n'est pas stable. Il y a une forteresse. Il y a une femme avec qui vous l'avez trouvée. Qui a beaucoup une influence sur lui. Avec qui il est maintenant. Quand je dis il est maintenant, ça veut dire que la femme qui est derrière lui. Hein? La femme qui est derrière lui. Madeleine. C'est une femme avec qui il était avant de vous connaître. Et la fille, quand vous l'avez rencontrée, la fille était là. Il abandonne la fille pour venir vers vous. La fille a une grande soeur qu'on appelle Hélène. Hein? Madeleine a une grande soeur qu'on appelle Hélène. Les deux ont dit que vous n'allez pas rester dans la maison. Faya. Tout ce qu'on t'a touché, on a volé. Au nom de Jésus, récupère cela maintenant. Récupère ça au nom souverain de Jésus. Amen. Récupère ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Récupère ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Seigneur Jésus, tout ce qu'on m'a volé. Regardez madame, vous aimez l'homme avec qui vous êtes? Oui papa. Vous l'aimez? Oui papa. Vous l'aimez de tout votre cœur? Oui papa. Tout votre cœur? Oui papa. Ok. Vous dites qu'il ne voit pas la télé. Je peux dire tout ou bien je dis un peu. Dites tout, papa. Madame, c'est à vos risques et à vos périls. Je reprends la question. Est-ce que je dois tout dire ou je garde certaines choses que je juge dangereuses pour votre mariage? Dites tout. En public? Je parle en public. Vous dites que vous l'aimez, c'est ça? Oui, papa. Il vous aime? Est-ce qu'il vous aime? Il m'aime. Ah? Il m'aime, papa. Il vous aime. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il s'aime. Dis, Seigneur, te rendons grâce parce qu'il s'aime. C'est pas ce que je vois. On doit prier pour vous. Amen. Dans votre cœur, il y a quelque chose. C'est pour ça que c'est chaud que je veux parler en public. Il y a quelque chose dans votre cœur. Vous pleurez souvent. Vérité. Vous pleurez souvent. Vérité, papa. Et quand vous pleurez, vous pensez à quelqu'un. En pleurant. Il y a un regret dans votre cœur. Il y a un remords dans votre cœur.
Et je ne veux pas créer des... Le mariage est devenu très rare aujourd'hui, c'est compliqué. Toutes les femmes que vous voyez là, chacune cherche à être dedans. Donc, si Dieu vous a permis de commencer à entrer. Maintenant, est-ce qu'on peut prier pour que vous soyez mariés? Parce que vous n'êtes pas encore mariés. Amen, papa. Hein? Est-ce qu'on peut prier pour que... Vous voulez que je prie pour le mariage? Oui, papa. Oui, papa. Parce que depuis qu'il était venu toquer, il n'est jamais entré. Donc il a toqué, il est resté dehors. Oui. Et c'est une femme ici, on a toqué, le gars, il n'est pas entré jusqu'à présent. Le nom Martin vous dit quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Papa, j'ai oublié. Hein? J'ai oublié, papa. Calmez-vous, hein. Ne me répondez pas avec précipitation. Je reprends la question doucement. Est-ce que vous avez déjà connu un homme dans votre vie qu'on appelait Martin? Vous avez connu quelqu'un comme ça? Qu'on appelait Martin? Au lieu du travail, oui. Madame, écoutez. Madame, listen. N'ayez pas honte. Hein. On est en train de parler. Vous avez donné les possibilités de parler. Et on discute et tout. C'est bon. Oui, Martin est où? Je ne sais pas, papa. Hein? Je ne sais pas. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? Ça fait longtemps, papa. Hein? Ça fait très longtemps, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Hein? Ok, qu'est-ce qui s'était passé? Un jour, je lui ai rencontré avec une autre femme. Vous lui avez rencontré avec une autre femme? Oui. Mais vous venez de me dire que vous ne connaissez pas Martin. Vous lui avez rencontré avec une autre femme. Pourquoi vous avez oublié pourquoi d'abord? Vous savez, regardez, il y a des choses que je ne veux pas dire. Si je parle de la part de Jésus-Christ et que le manteau du prophétique est sur moi, lorsque je te regarde, je vois ta vie écrite. L'ange de la prophétie est derrière vous, où vous êtes. Il y a un ange derrière vous. En train, je lis sur ce qu'il écrit. Je vous ai dit, vous n'êtes pas heureuse dans votre foyer. Parce qu'actuellement, les choses qui se passent dans votre foyer, vous brisez le cœur. Parce que l'homme avec qui vous êtes, vous avez eu des problèmes à cause d'une fille qu'on appelle Madeleine. Et cette Madeleine, c'est son ex. Vous avez des problèmes à cause du téléphone. Et vous pleurez par rapport à Martin. Vous pleurez. Vous pensez à Martin. Vous regrettez les choses qui se sont passées. Et le reste, je garde. Même si vous m'avez donné la permission, je garde. C'est pour ça que je vous ai demandé. Est-ce que vous voulez que je prie pour que vous vous mariez? Oui ou non? Je répète la question. Oui, papa. D'accord. Vous savez, il y a les gens, lorsque vous prophétisez, vous passez devant eux, ils font comme s'ils attachent les lacets de leurs chaussures parce qu'ils ne veulent pas que le prophète les regarde. Ok, Dieu va te bénir. Le programme, amen. Si c'est ton programme. Amen. Écoutez, il y a une femme qu'on appelle Evelyne. Hein? Oui, il y a une femme qu'on appelle Evelyne. Oui, c'est une commerçante. Oui. Comme vous. Oui. Hein? Oui, papa. Elle est où? Je ne sais pas là où elle est, papa. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? Ça fait même déjà 3 ans aujourd'hui. 3 ans? Oui, papa. On l'appelle comment? Evelyne. Regardez. Regardez. La femme-ci. Que Dieu vous restaure. Amen. Il y a des choses que vous voyez. Evelyne, vous êtes séparée avec les problèmes. Hein? Vous êtes séparée avec les problèmes. Ses intentions contre vous n'étaient pas bonnes. Elle voulait vous amener quelque part. Elle voulait vous amener quelque part. Oui, papa. À cause du commerce. Elle dit, ah, ta vie ne donne pas. Oh non, ah, je connais quelqu'un. Je lui ai dit non. Vous lui avez dit non, d'accord. Oui. Il n'y a pas de problème. No problème. Si je vous dis les choses, maman, vous allez pleurer. Vous avez rencontré beaucoup de mauvaises personnes. C'est pour ça que je prie que Dieu te protège, qu'il te préserve. Amen. Aujourd'hui,
Je peux vous dire quelque chose? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Dis à ton voisin, prophétie prédictive. Il y a une cliente à vous qu'on appelle Aïcha. Hein? Oui, papa. Il y a une femme qu'on appelle Aïcha. Oui, papa. Qui est une cliente à vous. Oui, papa. C'est une bonne cliente à vous. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Aïcha. Elle arrive. Attendez-la. Elle arrive. Amen. Et comme elle arrive, votre vie changera. Amen. Amen. Elle va faire un achat chez vous. Dieu va l'utiliser pour vous lancer. Amen. Elle va vous demander une marchandise que vous ne vendez pas. Ne refusez pas. Amen. Si elle, vous, elle va vous demander, est-ce que tu as la marchandise? Répondez-lui, oui. Amen. Je peux avoir ça. Amen. Prenez le marché. Le bénéfice va vous lancer. Amen. Et Dieu bénira vos finances. Amen. Bless you.